Donc sur les coins, on a des petits trous, donc en haut, en bas, tout ça. Ensuite, on a un marque-page métallique. C'est vraiment mon coup de cœur de ce coffret avec le roman de Souvenirs de maman. Donc j'aime bien son concept qui s'ouvre pour pouvoir le mettre à la page où on en est. Du coup, en premier plan, on a Emma. À gauche, on a Nat. Enfin, c'est Nat, il me semble. Et à droite, pour ceux qui en sont comme moi au chapitre 5, non, au chapitre 38, pardon, pour moi, c'est William Minerva. Mais je suis pas sûre, hein, parce que moi, j'en suis que au tome 5. Tome 4, et là, je vais lire le tome 5. Donc, je suis pas à 100% sûre que c'est lui, mais pour ceux qui sont un peu plus loin dans le manga, no spoil, mais je pense que c'est lui. Merci. Alors, le petit marque-page, il s'ouvre comme ça. Vous pouvez le mettre dans le livre. Je vais vous montrer, parce que j'avais vu dans Kazé, leur vidéo YouTube, ils expliquaient comment le mettre. Je sais plus, je crois que c'est comme ça. Ensuite, on a le cahier d'illustration, très très sympathique, donc avec Emma en page de couverture, et il y a Ray aussi, non, dommage qu'il n'a pas Norman, je suis un peu déçue. Donc il y a les enfants, il y a Phil, Gilda, Don, Lanyon, Thomas, Anna, etc. sur les couvertures. Ensuite, à l'intérieur, on a des pages blanches. Alors, en bas, c'est toujours dans l'ordre. C'est d'abord la chouette des livres de ce William Minerva. On a Emma, Ray et Norman. C'est dans l'ordre comme ça. Donc, la chouette, Emma, Ray, Norman. Ensuite, on a le tome 12, donc ça tombe bien, je l'ai pas, donc tant mieux. Alors il se présente comme ça avec Emma en première de couverture, je vais pas trop vous spoil, donc je vais pas trop ouvrir. On a aussi les chouettes qui rappellent William Minerva, les ex-libris aussi du livre avec la chouette, pour ceux qui en sont, qui ont vu l'animé en entier. Donc, la chouette qu'on a pu voir dans le livre d'illustration, ça représente un peu ça à mon avis. Enfin, mon préféré avec le badge, enfin avec le, qu'est-ce que je dis, le badge, le marque-page, c'est le roman Souvenir de maman. Alors ce roman, j'attendais, je voulais le lire. Franchement, c'est les souvenirs de Isabella, donc la mère qui s'occupe des enfants. Tous ses petits souvenirs et tout avec les enfants, et même je crois son passé avant d'être mère à l'orphelinat, il me semble. J'ai trop hâte de le lire, donc là je vous ai ouvert quelques pages sans vous spoiler. Donc enfin, quand on enlève tout, il y a la chouette avec un code en morse. Donc apparemment, avec le coffret numéro 1 collector et le 2, on a un message si on cherche. Donc c'est la chouette de Minerva, donc je pense que c'est celui à droite dans le marque-page, parce que comme je vous ai dit, j'en suis que au tome 5. Du coup, je sais pas c'est qui encore. Et du coup, voilà, le coffret est terminé. Il est magnifique, les couvertures sont magnifiques, les couleurs, les illustrations, la matière, franchement, c'est le top. Et bien, c'est la fin de cet unboxing. N'oubliez pas de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos, qui sera ma collection de tous les tomes de The Promised Neverland et tous les coffrets. Aussi une lampe de Norman que je vais vous montrer. Donc n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt !